This is Papua New Guinea. Here, around 500,000 people depend on coconut. This tree of life is now under threat. In Madang province, a virulent disease has appeared. Boggier syndrome is killing coconut palms, other palm species, and some banana varieties. Ce qui caractérise cette maladie par rapport à d'autres maladies du même type qu'on connaît dans la Caraïbe ou en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, c'est qu'il n'y a pas un syndrome unique. On n'a pas un seul symptôme qui peut décrire de manière générale ce qui se passe actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. The Stewart Research Station of the Coconut Institute manages the international coconut collection for the whole of the Asia Pacific. Its role to conserve the coconut varieties and produce seed nuts for farmers. The disease threatens the collection, a state of emergency for researchers and a grave concern for farmers. D'après les résultats partiels d'analyse, je crois qu'on peut dire que l'inoculum, le pathogène, est probablement à moins de 15 km de la collection. Every day, local researchers are finding out more. At the beginning, we observe only mature palms. After some time, we also observe that there are very small palms, like this one here, it's been affected by Boggier disease syndrome. As you can see, the symptoms in here, the crown has been reduced. Most lower leaves, lower rachis has died. Ça remet en cause en fait toute la stratégie de conservation du cocotier au niveau mondial, puisque la collection de Papouasie conserve les variétés pour l'ensemble de la région Pacifique. The Cogent Network embraces 39 coconut producing member countries and strengthens links between local and international researchers. Dans le monde, il y a à peu près 12 millions d'hectares de cocotiers qui sont plantés et 10 millions d'agriculteurs et 10 millions de familles quoi, qui vivent au moins partiellement de la culture du cocotier. Quand il arrive un problème sur le cocotier, c'est vraiment souvent catastrophique au niveau social. Boggier syndrome could spread internationally. The threatened collection should be moved to a safe site and research intensified. CIRAD has confirmed that the bacterium is causing the disease. Les phytoplasmes en général sont transmis par des insectes. C'est la grande famille des échinorhynques et c'est connu vulgairement sous le nom de cicadelle généralement. Les maladies à phytoplasmes ne sont pas les plus faciles à résoudre parce que il y a cette composante insecte vecteur, parce que on ne sait pas cultiver les phytoplasmes. Et parce que dans ce cas-là, on a affaire quand même à une plante qui fait plus de 20 mètres de haut. Donc pour aller voir quels sont les insectes qui sont sur la canopée, c'est pas évident. Until a cure has been found, certain precautions must be taken to protect the collection. Il va falloir déplacer cette collection pour la relocaliser, peut-être quelque part ailleurs en Papouasie, mais aussi dans un autre pays du Pacifique. Il faudra faire intervenir des équipes de recherche multidisciplinaires avec des chercheurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des chercheurs d'équipes probablement françaises du CIRAD, mais aussi australiennes, et enfin des chercheurs d'institutions internationales comme par exemple BioVersity.